4 minutes de pur que dalle. J'espère que ça vous a plu. Je me mettais en lurk sur une chaîne. Allez. Et on va faire le next épisode. Alors, on va essayer de faire une heure, mais je suis pas sûr. Si on fait 40 minutes déjà, ça serait bien. Ça serait bien, ça voudrait dire qu'en fait j'ai réussi à faire les 1 heure que je voulais pour le truc. Laisse-moi te dire comment se sont passés les événements d'hier. Lorsque les nuits sont sans lune, tu ne devrais jamais regarder derrière. C'était une leçon ou est-ce que c'était un avertissement? C'était il y a vraiment longtemps. En ce temps-là, je n'imaginais pas ce que moi, je deviendrais. Un jour, c'est venu sans prévenir. Et j'étais pétri d'anxiété. J'étais pétri d'une énorme anxiété tellement que je voulais que j'avais les larmes aux yeux et que je courais, je filais à la boutique de mon grand-père. Le grand-père que je connaissais, il souriait. Il était tellement gentil qu'il plaçait sa main sur ma tête.
Et oui, la mort rouge te suit à chaque pas. Loin de me consoler, il me renvoya chez moi avec quelques mots qui me hantaient. Cette nuit, j'étais certain d'avoir senti une ombre qui me scrutait derrière moi. Quelque chose ou quelqu'un me regardait. Et petit à petit, année par année, ça devient plus pressant. C'est cette présence que je sentais comme un spot à l'horizon grandit et devient si proche que je sentais son souffle à la base de ma nuque. Et oui, tout était dans ma tête. Quand je tournais, il n'y avait personne derrière moi. Mais cette nuit marqua le début. Je compris plus tard que l'indescriptible anxiété que je ressentais était l'appréhension d'une mort certaine. Combien de temps est passé après cette nuit? Les réminiscences de ma volonté quand j'étais gamin, dans les souvenirs de quand j'étais gamin, sont partis. Dans les nuits noires, je ne pouvais qu'entendre le faible écho des mots de mon grand-père. Mais qu'importe la puissance de la volonté, ou alors comment était entraînante la musique de la personne, de la fille à côté de moi, je n'ai jamais pu. Je n'ai jamais pu oublier ces mots complètement. C'est ici. La fille à côté de moi dit. Alors, bystander, je sais pas ce que ça veut dire. Cette nuit, c'était seulement moi et elle. C'était cette nuit qui marquait la naissance de qui j'étais aujourd'hui. Pour ce qu'allait être cette nuit mémorable, il était sûr que ce n'était pas un début. Alors, promising, ça veut dire plein de promesses. Ce n'allait pas être un début plein de promesses, on peut dire ça. Les nuages denses bloquaient les rayons de la lune. La nuit, malheureusement, était sans lune à ce point-là. L'hiver rendait
Le vent de la nuit plus féroce, plus perçant. Inhaler ce souffle, inhaler ce vent me glaçait de l'intérieur. L'air me titillait les os. Et passait directement de ma colonne vertébrale à mon cerveau. Pour prévenir mon cerveau d'être paralysé. Et pour prévenir le bout de mes doigts de devenir pierre. J'ai commencé à faire un feu en utilisant mon rythme et mes émotions. Je vais transférer des marques à toi. Bonne chance. Reste ici et grave. En réalité, mes jambes ne tremblaient pas de peur, mais de, enfin, ne tremblaient pas de froid, mais de peur. Aïskenji chantait le chant de la mer Gauze. Ces sensations devinrent se superposer à mon corps, avec mon corps. Je sentais des picotements dans mon bras droit. Quelque chose était passé. Les crépitements parcouraient mon bras droit tels des insectes. Et lentement et sûrement se fit un chemin à travers à mon cœur. Bien que je désirais de les enlever de là, j'attendais. J'attendais de finir ce qui avait commencé. Une nuit sans étoiles. Le parc entier livré à la nuit. Les insectes, les fourmis commençaient à se stopper. Loin, loin de mon bras droit, il se frayait un chemin à mon cœur. Même sans l'aide de mon sens du toucher, je pouvais voir l'intrus regarder à travers les ténèbres. Le mouvement de l'ennemi et ma perception étaient loqués. Je fis un pas de côté et le bras de l'ennemi surgissa tel une lance. Cette arme létale. Voulait assainir ma tête, fit s'envoler mes cheveux dans une vitesse inimaginable.
C'était comme le baiser de la mort. Je switchais le how's the flow of my body blood, la circulation de mon sang dans un cycle sur un cycle différent. Le sang qui surgissait de mes veines pu être transmuté. Mon corps devint un circuit unique et mon cœur se transforma en un engin complètement différent. Un mystique, quelque chose de créé par les humains. C'est ce qui me rendait qui je suis. La flamme de la vie derrière tous les miracles et les fables. C'est ce que nous mages appelons la magie et l'énergie magique. Mon bras était l'agent de ma volonté. Typiquement, un mage agissait comme un circuit. Normalement, le mage avait simplement besoin de peu d'énergie magique à attacher à une formule. Voilà, cette énergie sous forme de projectile. De stream ou d'autres méthodes étaient normalement suffisants, mais dans mon cas c'était le sentiment off my line, je sais pas ce que ça veut dire. J'aurais tendance à croire que ça veut dire. C'était les sentiments de trépasser qui marchaient. Brûle. Le bras de l'ennemi devint bardé dans les flammes. C'était la nuit noire là, au parc. La scène semblable à un feu de camp avait dans son centre un humanoïde comme une poupée de l'ombre. La flamme subsistait jusqu'à ce que normalement il n'en reste rien. Pas de craquant et pas de bruit et pas de senteur de roulé. Rien. Tu peux enlever le bouclier. je check le parc. Après avoir dit ça à Alice, j'ai pris un visage sans émotion. Je l'avais tué.
sans regarder ce que mon opposant était. J'avais juste pris une vie, une autre vie. J'étais calme. Mon cœur bondissait dans ma poitrine et mon souffle était erratique, mais ma tête, mon centre nerveux était irrémédiablement calme. Le temps que je le réalise, tout est. Donc là, elle regardait le corps qui avait moulé, mais quelque chose n'allait pas bien. Pour commencer, cette chose ne sentait pas organique. Et merde, ils ont utilisé ça encore. C'était juste un mannequin. Et même après tous nos efforts pour faire sortir le master. Il avait juste envoyé un mannequin, un familier. Mon début, ma première étape franchie qui m'ouvrirait la porte de la magie serait donc pour un autre jour. Pourquoi est-ce que je dois toujours passer ce test? Hein? À ce moment-là, j'ai senti quelque chose de familier au coin de mes yeux. Quelque chose semblait étrange à propos de la sortie à l'extérieur du dans l'extrémité du parc. Quelque chose qui avec une ombre qui apparaissait plus large que ce qu'elle n'aurait dû être. Oula. C'est quoi ça? Ok. Quoi? Hop. Voilà, c'est tout. Qui est là? Appeler avait été une erreur. Alerté par ma voix, la figure qui portait un uniforme que je ne connaissais que trop bien fit un pas en arrière et piqua un sprint. Comme quelqu'un qui court pour sa vie. Ou comme je devrais dire, c'est exactement ce qu'il avait fait. Après lui, on a été découvert. Non, il s'enfuit. On doit l'attraper et l'éliminer. Il n'y avait pas de temps pour les facéties. Pour nous, être vus était une question de vie ou de mort. Ne prenons pas en compte la fragilité de mes jambes,
Je courus à la sortie du parc. Je devais quand même admirer sa fuite. La personne avait disparu dans la nuit des résidences industrielles sans laisser de traces. Ah, pourquoi est-ce que je peux pas le sortir dans le domaine? Pourquoi est-ce que je peux pas le sortir? Temporairement, le parc était devenu la forêt d'Alice. Pour quelqu'un qui avait alors posé le pied dans ce parc, chaque chose identifiable, que ce soit le physique ou les voix, devenait brumeux. Comme devenez brumeux ou devenez oui devenez brumeux comme les éléments des contes de fées. Il y avait une chance. Ça semblait être un mâle de derrière. J'ai retourné au parc. Cette uniforme était sans l'ombre d'un doute celui de mon école. Et si j'avais raison, si c'était vraiment un écolier, enfin. Un collègue, un compagnon d'école. Alors, j'avais plusieurs méthodes pour le faire disparaître. C'est encore une chose après l'autre. Ça va être chiant. Voilà ce qu'elle dit. Ça va être chiant. Voilà ce qu'elle dit. Ça va être toi, ça va être chiant. Ça va être embêtant, ça. Sa stature de statue. Sa stature de statue, justement. Figé dans le noir, rendait cela plus sans expression que le calme. Ça me rendait hors de moi. Cette voix qui ressemblait à cette voix qui sortait de la nuit. De nuit sans lune, si souvent, me rendait colère. Donc, de ce que je comprends. Oh! D'accord. Alors, une chose. Là, normalement, il devait capturer un mage. Et que c'était la première étape pour Aoko d'être vraiment reconnu en tant que mage. Ce qui n'a pas eu lieu. Parce qu'à chaque fois, le mage, au lieu de sortir de sa cachette et de se confronter aux filles, envoie des mannequins contrôlés par magie. D'accord. Et ben on a fait un chapitre en un temps record. Et on va continuer. Et je suis très très content.
Eh ben écoutez, on va regarder le prochain épisode. Alors je pense que pour le prochain épisode, on va pas faire tout le chapitre. Mais par contre, on va faire le premier event quoi. Hein. C'est un interrogatoire ou quoi. Hein. Enfin, on s'arrêtera à un moment donné quoi. Alors. Blues in her name. Il n'y avait pas d'autre façon de le dire que de le dire comme ça. Je suis un magicien. Quelque chose comme des sorcières dans les contes de fées qui vivent seules en forêt et qui arrivent à faire des miracles avec des vagues en un tour de doigt. Même si l'imagerie populaire diffère de la réalité, il est quand même plus proche de la vérité que tu ne le sais, que tu ne le connais, que tu ne le comprends. Juste pour qu'on soit clair, non, je ne m'amuse pas à voler dans le ciel avec un balai. Je ne peux pas transformer en... Je peux pas me transformer en animal ou parler avec des petits oiseaux. Les mages modernes ne font pas de choses aussi farfelues. Ça veut dire que c'est les anciens, peut-être. Notre exemple semble inconcevable, mais en vrai, elle est telle quelle. Elle est réelle. Et même si il semble que l'on puisse faire n'importe quoi, nous sommes en majoritairement contraints. Et c'est pour ça que je dois apprendre de nombreuses choses à propos de ça. C'est mon job réel. Ça semble comme quelque chose de plus romantique que d'être un étudiant, une étudiante, n'est-ce pas? Naturellement, c'est un secret que je ne peux partager avec personne. Un mage doit faire ce qu'il peut dans ses pouvoirs pour garder ses travaux secrets. Enfin, pas secret, mais pour garder la maîtrise de ses travaux. C'est la première et la plus importante règle parmi les 10 que compte l'association. Mon identité secrète, comme un étudiant d'honneur, est intacte. Et. Voilà. Est intacte. Et absolument, il ne sera absolument pas bon que ça devienne, que quelqu'un vienne en révéler ma nature, ma vraie nature. C'est pour ça, ça me prend plus la tête qu'autre chose, ça me met du mal de crâne. C'est pour ça que je ferai tout ce qu'il faut en mon pouvoir pour garder ça secret. Bien sûr, si j'accomplis n'importe quoi comme un magicien par maintenant, alors peut-être qu'ils me verraient tous différemment. J'ai souvent fantasmé à propos de révéler mon secret auprès d'une personne spéciale que j'aurais finalement choisie par moi-même. Oui, j'étais vraiment en mode stellaire, romantique pour me consoler, pour me confesser un jour en mode. En vrai, je suis une magicienne.
Cette idée seule était assez pour me faire. Pour me faire virer de l'association au regard de leur loi. Mon grand-père me faisait des pattes sur ma tête justement lorsque je partageais ses pensées avec lui. Je ne sais pas si c'était pour que je ne pense pas à ça ou quoi, mais je me rappelle que son toucher était tendre. La première chose que j'ai apprise, c'est que je succédais à mon père le jour où j'ai été à l'école primaire. Quand je suis retourné à l'école, il y était là. Ta grande sœur a commencé un voyage. À partir de ce jour, tu seras connu sous le nom d'Aozaki. Je savais que la famille Aozaki avait passé se transmettait cette tradition de magicien, d'héritier de magie. Mais pour être honnête, je n'aurais jamais imaginé que c'était moi qui aurait été choisi. Les magiciens, enfin le Magecraft, donc les circuits magiques d'un magicien sont supposés être transmis à un seul enfant. C'était le rôle de ma sœur de prendre toutes les connaissances et tout le mantra. Et je n'avais aucun intérêt à me contraindre avec toutes ces règles et ces routines. J'avais prévu de vivre une vie normale. J'avais des espoirs et des rêves pour le futur. Je me sentais franchement mal pour ma sœur, mais j'étais déterminé à passer ma vie comme je l'entendais. Et alors que j'avais pris tout ce temps pour moi, j'avais été frappé par ce vicieux contre du destin, ce punch du destin. Depuis, j'étais plongé dans un monde que j'avais seulement observé de l'extérieur. Et c'était franchement un enfer de démarrer comme ça l'école primaire, le collège. Mais je suppose que c'était pas nécessairement mal, toutes choses considérées. Bon nombre de choses sont passées depuis. Et alors que j'avais pris mes fonctions dans cette nouvelle vie, avec un an d'école, j'étais déjà à la seconde année avant que je ne le réalise. Je remercie, aucune chose de drastique, dramatique n'est apparue, n'est arrivée. Et les six premiers mois, ma colocataire et moi a essayé de me tuer, enfin, on essaie de se tuer parce qu'on se ne comprenait pas. Je suis seulement humain, donc j'ai plein de choses à penser qui me tournent la tête pour sûr, mais c'est pas. Mais je n'ai jamais été inquiète à propos de mon futur.
penser à ma vie était bien une chose que... Alors ça, je comprends pas. Si seulement tout s'était passé selon le plan la nuit dernière. Donc. Alors? Ses yeux noirs de jais trahissaient la gravité de la situation. Les progrès de ces choses-là, tu veux dire? Si j'ai seulement recensé 7 mannequins par reconnaissance. Non, j'en ai envoyé seulement 7 en reconnaissance et je les ai utilisés aussi rapidement que possible et je n'ai pas eu le temps d'en fabriquer plus. Il montra les boîtes à indices. Et aucun d'eux n'a pu voir ce qui s'est passé cette nuit. Ils n'ont... Durant le jour, non. Il est bien trop risqué de laisser voler une nuit entière. Alors, qu'est-ce que tu as préparé? Tu semblais vraiment confiante ce matin. J'ai pris des mesures pour demain. J'ai demandé à Tobimaru, qui est le vice-président, de regarder toutes les adresses des étudiants et leur agenda. Il n'y a pas autant de personnes qui pourraient se balader de ce temps-là au parc la nuit. Donc il sera sûrement easy de découvrir qui c'était. Et comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que je n'ai pas seulement rejoint le conseil des étudiants. Seulement pour les apparences, juge aussi de ma position pour garder, pour espionner, pas espionner, mais garder un œil sur chacun. J'ai toutes les infos concernant les jobs à temps partiel, les adresses des copains et ce qu'ils font de leur temps libre. Et j'ai une liste aussi de ce qu'ils... Mais comme je dois garder ça secret, je ne peux pas faire tout ça moi-même maintenant, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas faire ça. C'est pourquoi j'ai demandé au vice-président de fouiller. C'est le genre de choses qu'il sait faire merveilleusement bien. Et là, c'est ainsi qu'il fut créé. Le dossier secret à partir du moment où Aoko devint l'étudiante, la présidente du conseil des élèves. La rumeur de son existence était assez pour pétrifier de peur
L'entièreté du corps étudiant. Aussi implacable que toujours, je vois. Alice était seulement à moitié surprise. Il faisait simplement 2 ans depuis que ils avaient commencé à vivre ensemble. Elle savait mieux que quiconque ce que Aoko avait en tête et ce qu'elle voyait comme fin pour, enfin, pour arriver à cette fin. Ah, j'avais jamais vraiment prévu de l'utiliser pour ça, mais comme ça. Mais il est plus safe de. Mais c'est vraiment mieux pour se garder à l'abri. Désolé, mais sorry. Mais ce qui s'était passé la nuit dernière, c'était quelque chose de plus, loin, de plus grandiose que. Une petite exception à la règle. Normalement, cet événement n'aurait jamais dû être possible. Plus important, tu peux me dire un peu ce qui s'est mal déroulé. Parce que il me dit pas que c'était simplement quelque chose qui était en lien avec. Ton link et ton bouclier anti-humain. Aoko la fixa. Le bouclier, le respect, la non-divulgation. Enfin, comment on dit ça? Cet élément était de la responsabilité d'Alice. Il était. Alice et Aiko étaient sans doute comment on appelle ça? Pas des roommates, des colocataires et des partenaires, mais c'était avant tout une relation c'était une relation c'était pas une relation profonde quoi, c'était une relation de partenariat. Et bien que la lignée, le sang, la famille les tenaient ensemble, ils étaient bien plus ennemis que alliés. En vrai, c'était. S'il fallait rappeler ça plus crûment, ce n'était pas juste un match. Lorsqu'il y avait une faille, on était attaqué. Et même une opportunité, les deux pouvaient se tuer. Pouvaient se tuer l'une et l'autre à propos d'un événement particulier à un moment donné. Alice regarda les yeux d'Aoko. Je suppose que tu as raison. En présumant que la phrase d'en haut, c'est en présumant que
le bouclier anti-humain était le problème. Est-ce que ça n'aurait pas dû... Est-ce que c'est arrivé avant? Je suppose que tu as raison. Aoko était convaincu et donc affirma son sa confiance à lui. Alors tu dis qu'il n'y avait rien de mal fait par rapport à ça? Je ne peux pas en dire plus pour je ne peux pas parler assurément, je ne peux pas dire de choses. Ali, la réponse d'Alice était bien sûr aussi brumeuse que toujours, inconsistante. Alors, on va l'appeler ça le bouclier magique. Le bouclier magique était comme un sanctuaire qui scellait tout ce qui provenait du monde réel. Ça permettait à une certaine zone d'être coupée du monde extérieur. Il y avait bien sûr plein de barrières. Il y avait des barrières plus physiques, comme si on touchait un mur. Et d'autres moins tangibles qui utilisaient les miroirs, les brouillards ou les arbres pour cacher ce que les sorciers ne voulaient pas montrer. Et cependant, quand tu fermais un lieu au monde extérieur, tu ne pouvais pas communiquer. Tu ne pouvais pas communiquer avec celui. En d'autres mots, le lieu était fermé du monde extérieur. Mais il était impossible. Mais il était impossible. Hello, hello Pop. Mais il était impossible de savoir ce qui était enfermé. Autrement dit, quelqu'un qui aurait pris d'intérêt ce qui était pris d'intérêt pour les phénomènes magiques, et donc ce qui concernait le lieu, la zone, ne pouvait pas voir ce qui était à l'intérieur. Oui, ça va, Pop, ça va, ça va. Là, je lis. Là, on a fait un chapitre. Donc, qui nous a permis de revivre le soir fatidique. Et du coup, là, on comprend mieux ce qui a gêné Sojiro. Donc, je t'inviterai après coup, après le live, à repartir sur un. Sur du. Sur, en début de. En début de. En début de vidéo, voilà. Alors je vais bien, mais je suis pas en super forme non plus. C'est pour ça là, je pense qu'on va finir avec Alice et Aoko, et puis après on va quitter. Parce que du coup j'aurais fait 1h20 cette semaine et ça aurait été très bien. Ce qu'il y a, c'est que je vais pas bien depuis 3-4 jours là, donc. Hier, j'avais fait que 20 minutes de ce jeu.
Et puis là, du coup, j'en ai profité pour faire une heure complète parce que normalement c'est dans le programme, donc je voulais quand même respecter mes viewers ou ceux qui regardent dans l'ombre, je sais pas. Alors, le bouclier idéal était l'un de ceux qui était indétectable et imperturbable aux interférences provenant de l'extérieur. Et c'était exactement ce type que Alice avait généré au parc la nuit précédente. Même s'il y avait quelqu'un qui avait une raison d'être ici, il n'aurait pas dû pouvoir entrer si tu leur avais fait oublier la raison de leur venue. Ça prend une immense quantité de temps et d'énergie pour créer une barrière qui produit une illusion temporaire autour d'un lieu que tu veux sceller. Mais ça prouve aussi que son efficacité, à travers quoi, une heure ou... Alice no kagami o tsukatta ikkyūhin da shi, tochū de yaburēru koto mo nai. Jijitsu, haitte kita no wa ano ningyō dake da to hakkiri kanjirareta. Et le top du top... Kanpeki ja nakatta ra, nani ga kanpeki nano yo? Et le top du top, ce qui est le summum, la top classe, le... C'est qu'en vrai, tu crées des miroirs. Que tu crées des miroirs qui réfléchissent lorsque nous utilisons ce procédé de barrière. Et la seule autre présence que j'avais sentie à l'intérieur était cette poupée, cette marionnette, putain, cette marionnette. Si ce n'était pas une barrière complète, parfaite, alors qu'est-ce que c'était? Je n'ai aucune idée. Les arbres étaient préparés parfaitement. J'ai cultivé les arbres et les plantes durant plusieurs jours. Et tout en prouvant que ça faisait un bon domaine de barrière. Mais... Peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose que je n'avais pas anticipé. Dans ce cas-là, il vaudrait mieux que ce soit... Faut mieux que ce soit dû à la faiblesse du marionnettiste. Si c'est un sorcier, ça prend un peu de sens. Un mage peut probablement y pénétrer. Une autre chose me titille. Comment ça se fait qu'il n'a pas été détecté? La pensée d'être prise pour cible par cet individu était vraiment terrifiante. Savoir qu'il avait pu pénétrer dans le bouclier d'Alice voulait seulement dire que sa maîtrise de la magie était supérieure à celle d'Alice dans ce domaine. Alice
dans son état actuel, était complètement, on va dire, sans, était complètement vulnérable lorsque s'il s'agissait d'être une cible. J'ai déjà déterminé que ce n'était pas un mage. C'était certainement un outsider, donc quelqu'un qui venait de l'extérieur. Le fait que notre détection n'ait pas marché est une chose, mais même Robin n'a pas été capable de le suivre. Et même quand Robin l'a suivi, il n'y avait aucune trace de d'énergie magique. Ce qui fait que c'était pas un familier non plus. Aoko prit connaissance de ça. Et ça voulait encore dire qu'elle avait encore plus de questions. Au départ, tu devais simplement trouver. On devait simplement trouver un mage. Et maintenant. Maintenant que la preuve est tombée à l'eau, je dois juste trouver un étudiant. Ça va poser des problèmes. Et sans rajouter un coup d'œil, elle devint de plus en plus dépassée. Mets-toi ça dans le crâne, Aoko. Si tu peux pas t'acquitter la tâche, je peux le faire par moi-même. Aoko prit ces mots avec grande sincérité. C'était clairement différent que la dernière fois. Ce qui avait été déterminé avant, c'était qu'elle était un mage. Si les ennemis émergeaient, alors ils avaient juste à les tuer. Si elle était... Si elle était défiée au combat, elle avait juste à aller au turbin. Si le fight était entre deux mages, et que son opposant était dans le tort, même si ça voulait seulement dire que la fin était la mort de l'un d'entre eux, alors c'est quelque chose que les deux parties acceptaient naturellement. Tuer ou être tué. La moralité n'avait pas grande valeur dans cette échelle. Mais cette fois, c'était différent. Son opposant n'était pas ni un ennemi ni un mage. Elle s'était préparée à les tuer. Cette personne, elle, n'était pas prête à mourir. C'était un facteur de moralité qui était maintenant sien. À présent.
Est-ce qu'elle pouvait vraiment prendre la tâche d'assassiner une personne innocente? Elle fit un oui sardonique à lui, je sais pas ce que ça veut dire. D'être un mage ne voulait pas dire que Aoko pouvait faire n'importe quoi avec le monde réel. S'il y avait une chose que Aoko haïssait, c'était devoir faire les choses soit sans conviction, soit avec une méconnaissance de pourquoi est-ce qu'elle était obligée de le faire. Quand elle agissait, elle préférait que ce soit avec un acte, que ce soit de sa propre initiative. C'était délibéré. Ah, je suppose que j'ai pas vraiment d'autre choix. Et après une petite bouteille, enfin Alice a préparé une petite bouteille. Elle la déposa dans sa main. La petite bouteille était aussi grosse qu'un de ses doigts. Le verre apparaissait vide. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle regarda avec suspicion. C'est une bouteille de stockage. Je peux en partager une, donc je te la donne. C'est quelque chose qui a été tiré d'un roman chinois. それってレンゲ堂の兄弟の話？じゃあ、あの赤い瓢箪と同じなわけ？言いたくないけど、そこら辺の風邪薬のラベルを無理やり剥がして小瓶に見せかけてる、それ。 Excepté que c'est une flaque de jade et pas une gourde rouge. C'est pas le problème. Le problème, c'est de maintenir ma dignité en tant que mage. C'est te mets pas en rogne pour sur des détails. Sois juste content que ça soit pas une bouteille de laxatif. Ok. Juste ouvre le bouchon et demande le nom de la personne. Mais sois prudente. Parce que si la cible est résistante, la bouteille va se briser. Attends, s'il est résistant, alors je peux seulement l'utiliser lorsqu'il dort, c'est ça? J'ai jamais essayé, pour être honnête. Mais est-ce qu'une personne pourrait répondre à des choses dans son sommeil? Ouais, tu sembles surprise, mais c'est vrai que les gens qui peuvent être somnambules et répondre aux questions, c'est vraiment très rare. Oh, j'ai oublié. Les drogues ou les circuits magiques peuvent causer le cassage de la bouteille. Et qu'est-ce qui est bon là-dedans? Qu'est-ce qui ne casse pas cette maudite chose?
Un outil est seulement bon tant que la personne l'utilise de la bonne façon. C'est ton but de fabriquer des outils comme ça? Peut-être. Alors, est-ce que tu vas prendre cet outil ou le laisser ici? Sans répondre, Aoko prit la bouteille et le mit dans sa poche. Elle te dit que certainement elle pourrait l'utiliser. 2 heures a été passées. Et l'horloge indiquait 9h. 9h que l'on a dépassé. Ici, dans le monde réel. Leur conversation s'était déplacée de pièce en pièce. Pour être honnête, je veux vraiment pas laisser Tobimaru comme ça. Ce soir, ils avaient mangé un plat traditionnel japonais. Yamashiro no yatsu ga kuru nari. Shizuki-kun wa mada bukatsu ni haitte inai kara, mendou mite agete kurenai kana? Nante itte kuru mon dakara sa. 全校生徒の行動範囲なんて見直す気力なくなっちゃったのよ. C'est pas comme si j'avais le temps et l'énergie de traquer chaque étudiant. そりゃあのバカがバイトで忙しいのは知ってるわよ. Et je le sais que cet idiot est constamment occupé par ses jobs. C'est pour ça que j'ai essayé de mon mieux de lui donner une activité où il était le capitaine pour que ça soit au commandant. Mais ce gars n'a même pas... Mais ce gars n'a même pas mis de remerciements. Est-ce que tu écoutes, Alice? Comme sa bouche était pleine, elle a simplement bougé sa tête en réponse. Son expression pouvait signifier qu'elle n'avait aucun intérêt ou d'opinion sur la chose, mais elle apparaissait quand même à l'écoute. Satisfaite, Aoko prit un cake à base de poisson. それに私、いい人なんて言われるやつは信用できないのよ。あろうことか、飛び丸までそんなこと。大体、あそこまで言われて怒りもしないなんて、どうかしてるわ。 La seule chose, c'est qu'il est bon pour être un mec qui a la tête dans les nuages. Je veux dire, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de faux, enfin de faux, avec sa tête on pourrait croire qu'il n'est pas, qu'il n'a pas été, enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a vraiment quelque chose de malsain avec le fait qu'il il ne prend pas ombrage de ce que je lui de toutes les insultes que je lui dis. Sa pensée était tournée dans ce qui s'était passé dans la pièce du conseil des étudiants ce jour. Elle a repensé comment Sojiro l'avait esquivé.
alors qu'elle lui disait tous ces mots. Et de son visage qui semblait pas concerné. Je pense que je comprends qu'il disait. Ah, ça m'énerve. Ces mots étaient comme quelque chose que... Tu le sais, non, Aoko? De toute façon, tu ne perdras jamais de vue qui tu es. Tu es si forte. Peut-être qu'en vrai, c'était un compliment. Mais elle l'avait pris, cette phrase, sous forme de pitié. Parce que la personne qui lui avait dit ces mots agissait comme si c'était un petit animal grintif. Ok, elle a du mal avec ceux qui lui donnent des preuves d'amour. Ou au moins d'intérêt, enfin de... qui veulent la protéger. Elle a du mal avec ça. Cette réminiscence la rendait seulement plus confuse. Et elle revoyait la pitié sur le visage de la personne qu'elle admirait le plus. Tu penses ? Je ne pensais pas que je... Pourquoi est-ce que tu viens en parler ? C'est pas comme si j'étais comme si j'avais de l'intérêt pour lui de toute façon. Bon, voilà, il s'énerve. Alors pourquoi toutes ces tâches que tu fais à propos de lui ? Quoi, je t'ai juste reporté les investigations d'aujourd'hui. Quelque chose de mal à propos de ça? Non. Non, rien du tout. Mais... peut-être qu'il te... Enfin... il te rend aussi émotive. Son visage semblait indifférent, comme toujours. Mais elle, secrètement, elle s'enjaillait d'avoir mis Aoko mal à l'aise. Il a... Ouais, d'accord, il l'a fait. Je pense que... j'en parle plus que d'autres personnes. Ouais, et qu'est-ce qui spécifiquement fait que tu le détestes? Que tu ne l'aimes pas? J'ai pas besoin d'une raison spécifique pour un... Mais pourquoi une réaction aussi forte? Plus que tout qu'autre chose au monde, Aoko haïssait les émotions qui se faisaient sans raison ou les décisions qui étaient faites
avec sans rationalité. C'est juste que je n'aime pas. Je suis sûr qu'il y a une bonne raison à ça, je pense. Plus elle parlait, plus elle était frustrée. Malheureusement pour elle, elle n'avait aucune raison d'avoir une raison cohérente de détester Soejiro Shizuki. C'était pas sa faute dans l'absolu. C'était plutôt la faute à l'environnement où il avait grandi. En vérité, il était admirable de le voir de le voir essayer s'adapter à la vie moderne, à la vie civile. Et bien qu'il semblât plus lent, c'était seulement sa nature gentille qui faisait qu'il agisse, qu'il pensait avant d'agir. Lorsque l'on regardait les choses objectivement, la conclusion était obvious. Bien qu'elle avait du mal à l'admettre, il était réellement un bon gars. Je n'arrive pas à croire ce que je pense. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mal à propos de lui? Désespérément en accord avec ses sentiments, elle désespérait d'analyser ce Giro. Mais son esprit ne faisait simplement que d'autres cercles. Alice fixait Aoko. Akireta. Je suis choqué. Ça ne te ressemble pas, Aoko. Ces mots étaient l'attaque finale. Elle était incapable de laisser sa chaise, même après qu'elle ait fini de manger et s'est élevée. Cependant, même après qu'elle se soit couchée, Aozaki n'était pas la seule. Donc là, Aoko avait donc cliné la vaisselle et tout. Donc elle s'était placée dans la bedroom. Alors, les attaques entre elles me donnent juste mal à l'estomac.
Pour elle, c'était seulement la voie la plus simple à faire. Oui, avec ça en tête. Donc là, regarde les bouquins. Aoko avait organisé les livres selon le domaine, le genre et le sujet. Mais Alice et Aoko avaient abandonné l'idée de faire de cette pièce une annexe de librairie. J'espère vraiment ne plus avoir à revenir ici. Les montagnes, la forêt, le bâtiment de l'école, vide la nuit. Elle cherchait un lieu où elle pouvait qui lui permettrait d'utiliser sa magie. Alors, fondamentalement, les circuits magiques étaient bons pour fabriquer des choses ou des phénomènes qui existaient naturellement. Avec plus ou moins de temps et de ressources que cela pouvait requérir. C'était essentiellement un échange. Il fallait voir ça essentiellement comme un échange. Un phénomène qui était possible par des mains humaines, c'était possible avec un pouvoir individuel. C'était ce que généralement un circuit magique était. Pour donner un simple exemple, Aoko pouvait dès lors faire tenir un lac dans sa maison. Cependant, il fallait que ce soit quelque chose qui ait existé dans ce monde. Rien, pas même une petite chose, ne pouvait échapper à cette loi. On pouvait sachez assez loin qu'on ne pouvait briser. Même si Aoko voulait passer un level supérieur, genre un F15, une espèce de jet propulseur. Ça, c'était seulement possible si le circuit nommé Aozaki agissait temporairement comme une variable pour la formule magique. L'équivalence était simplement une valeur qui était à devoir prise en compte dans la réalité.
Et si la variable de l'équation n'existait nulle part dans la réalité, alors le sort ne pouvait être valide. L'imagination connue, enfin l'élément connu sous le nom d'imagination, était connu comme une magical energy, était vu comme un mensonge. Donner forme à quelque chose qui n'existait pas, qui n'était donc pas dans la réalité, était quelque chose que l'univers ne pouvait accepter. Alors, on ne peut pas combiner des éléments imaginaires avec s'ils sont pas réels. Si le bouclier était comme ça, vu plutôt comme un mur de cornes. Voilà. C'était de ronce. En fin de compte, l'énergie magique est juste un moyen de pouvoir utiliser du carburant. Bon, en tout cas, c'est ce que eux disent. Donc là, on a appris quelque chose. On a appris que la magie ne permet pas de rendre quelque chose de la fantaisie. Si vous essayez de, par exemple, je sais pas, faire revivre les morts, ça ne peut pas exister puisque ça n'existe pas dans le concept de la magie. Donc là, normalement, elle a dû devoir elle n'était pas sûre d'arriver à faire cette tâche sans le support d'Alice, mais il en valait de son honneur de mage. Elle continuait à tourner les pages à un rythme soutenu. J'ai trouvé. Elle se souriait à elle-même. Une cage, j'ai juste besoin de faire une cage. Soudainement, elle sentait que quelqu'un la regardait. Et dans la fenêtre, elle s'est vue dans la nuit une fille qui la regardait avec une expression sans cœur sur le visage. Le visage de la fille était le sien. L'expression reflétait sa volonté. Elle avait commencé à planifier d'effacer ses faiblesses. Et ce qu'elle parlait de faire était l'élaboration d'un plan pour tuer. C'était juste un job. Elle allait faire une cage et mettre sa proie dedans. Il n'y avait pas de préméditation de violence.
Je me demande si Alice en a fini avec son bain. Après que 20 minutes aient passé depuis qu'Alice... depuis que Alice s'était donné le privilège d'être la première à la douche. Enfin, au bain. Alice avait fait ça vite. Elle avait fini ce qu'elle avait à faire en 10 minutes. Pour Alice, le concept de rester dans un bain semblait plus chiant qu'autre chose. Une pensée que, apparemment, Aoko validait. Alice, il est là. J'ai un plan, tu veux l'entendre? Je peux le dire rien qu'en voyant ta face. Je peux le dire rien qu'en voyant ta face. Pourquoi est-ce que j'aurais... cette solution que j'ai trouvée me permettra de ne pas avoir de troubles, de problèmes après. Une plainte? Pourquoi est-ce que j'en aurais? C'est quelque chose de... C'est plutôt... C'est matière goût personnel, quoi, c'est après tout. Tu peux facilement le sceller dans une maison de miroir pour l'éternité. Sérieusement, c'est ton idée? Mais je t'en prie, peu importe ce que tu fais, ne le ramène pas ici. Tu n'as pas besoin de me le dire. Mirror House est une bonne idée. Merci, Alice. C'est vrai. Tu veux savoir si je suis ok pour laisser Aoko prendre ça en main par elle-même? Ah, l'oiseau bleu. On va mater l'oiseau bleu. L'oiseau bleu, c'est un personnage. Putain de bordel de merde. Alors, c'est soit un personnage, soit un familier. Je parierais pour un familier d'un personnage qu'on n'a pas encore vu. Il était pas clair de savoir depuis combien de temps l'oiseau était dans cette... c'est Twitter, ouais. Ouais, je suppose. Ouais,
Elle a envie de faire ça par elle-même. Alors, trust, c'est la confiance, et faith, je crois que c'est la peur, ou le. Et deux différentes choses. Ouais, donc à mon avis, elle va. Foi. Hein. La confiance et la foi sont deux choses différentes. Donc là, on va s'arrêter puisque là, on est passé un autre jour. Alors, ce qu'on a. Ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris. Donc, on a vu la nuit ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, ils traquaient Aoko et Alice traquaient un mage. D'accord. Aoko et Alice traquaient un mage. Un mage qui n'arrive pas à débusquer, malgré de nombreuses tentatives, et qui permettrait à Aoko d'être une mage proprement dite. Parce que le credo des mages, c'est tuer ou être tué. Et du coup, ils se sont fait attaquer par une marionnette qu'ils ont brûlée, enfin que Aoko a brûlée. Mais quelqu'un qui, semblant sans pouvoir, bon, maintenant on sait que c'est Suejiro, je suis désolé, hein. Et bon, il en parlait au vice-président avant, donc on sait que c'est Suejiro. Voilà, donc du coup, Aoko va traquer le mystérieux jeune homme. Enfin, elle va traquer Suijiro sans savoir que c'est Suijiro. Voilà. Mais on a bien vu qu'elle semblait avoir des sentiments pour lui contradictoires. En fait, il fait que de l'énerver, tu vois. Elle en parle et ça l'énerve. Et du coup, elle a reçu donc une bouteille qui lui permet de piéger quelqu'un à l'intérieur. Mais aussi, elle a l'idée d'enfermer la personne dans une maison de miroir et de le laisser piéger dans les miroirs tout le temps, quoi, pour l'éternité. Et étant sans pouvoir magique, il pourrait pas s'en défaire. Mais on apprend aussi que donc Alice parle avec un oiseau bleu, Twitter, lol. Vas-y, profite tant que c'est pas X. Donc elle parle à un oiseau bleu et elle dit donc la confiance, c'est pas la même chose que la foi. C'est deux choses vraiment différentes. Donc, à mon avis, elle va garder un œil sur l'opération. Donc là, je pense que là, on va suivre la traque. Au prochain épisode, je pense qu'on va suivre la traque de Aoko. Oui, bah écoute. Là, on a vu un oiseau bleu. Un oiseau bleu. Bientôt, on pourra l'appeler par son vrai nom, mais pour le moment, c'est l'oiseau bleu. Il y a l'oiseau bleu. Mais du coup, voilà, donc vachement bien, ça se précise. Après, je trouve ça bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, parce que le fait qu'on ait pas su ce qui s'était passé, qu'on ait eu quand même le flashback de la nuit après la conversation de Suijiro avec le vice-président, ça a rendu le fait que t'as Suijiro qui dit « Oui, j'ai vu une fille... J'ai vu une fille brûler à quelqu'un. Et dans le parc, tuer quelqu'un dans le parc. » Et l'autre, il a fait... Ah, mais tu dérailles, toi. Enfin, voilà. Donc, ça a rendu la discussion prenante et grave, à la fois. Et maintenant, on sait que c'est donc Aoko qui faisait son boulot de mage. Avec Alice. Donc on verra la traque de Aoko pas demain, parce que demain ça sera du
Final Fantasy 2, j'essaierai franchement de me mettre sur Final Fantasy 2 demain, alors soit samedi, soit dimanche. Deux jours parce que j'ai vraiment envie de le finir, Pop. Et tu sais pourquoi, Pop, j'ai envie de le finir? Parce que il y a un petit jeu qui fait comme un visual novel, mais qui n'est pas un visual novel puisque il a pas cette aura qu'a Witch of the Holy Night. Et c'est même pas un visual novel, c'est plutôt un jeu verbeux. Comme un peu Disgaea quand tu vois qu'ils échangent le dialogue, mais c'est un jeu verbeux où apparemment c'est une histoire très sombre. Donc bah j'ai envie de la faire, j'ai envie de m'immerger dans cette histoire. Un grand coup de fille sans bras, tu vois. Donc ma foi, Pop, ça me rend très très. J'ai envie de connaître l'histoire. Donc c'est pour ça que si je peux mettre l'emphase sur Final Fantasy 2 entre cette semaine et la semaine prochaine pour essayer de le finir la semaine prochaine, ça serait cool. Parce que Final Fantasy 2, niveau histoire, assez bien, mais voilà. Après, c'est vrai que je voulais faire d'autres Final Fantasy, mais en vrai, les autres Final Fantasy, le seul que j'ai pas fait, c'est FF5. Mais bon, l'IV FF5, bof, j'ai déjà essayé plusieurs fois de le faire de mon côté, tout seul. Ça n'a pas suivi, donc j'ai peur de le... Et j'ai peur de le... J'ai peur de le... De le... De l'abandonner au cours de route, au niveau des lives. J'ai peur aussi d'abandonner FF9 au niveau du... Des lives. Donc en vrai, on va faire des petits jeux, voilà, qui sont un peu visual novel, tu vois. Un peu trash, hein, ce qui reste le cœur de la chaîne, parce que le cœur de la chaîne c'était des waifu typé horreur, tu vois, donc de base, donc c'est bien, je vais avoir un petit jeu comme ça, mais bon, avant de pouvoir le voir comme ça, on va devoir finir FF2, car au mois de septembre, fin septembre, j'ai Fate Samurai Remnant qui sort. Je sais franchement pas si je pourrais le faire en live. Je ferai un test, mais je pense pas, mais je ferai un test quand même. Et de toute façon, donc il viendra se mettre en compagnie de Witch of the Holy Night, bien sûr. Et après, bien sûr, une fois que Cry Machina sera sorti, alors, si c'est streamable, on mettra Fate au placard. Si c'est pas streamable, on mettra. Il prendra sa place à côté de Witch of the Holy Night pour l'aventure que j'attends depuis 9 mois. 9 mois, non, pas 9 mois. Je l'ai commandé quand? Je l'ai commandé au mois de novembre. Je l'ai commandé au mois de mars. Mais j'avais vu qu'il était en précommande dès décembre. Donc voilà, ça fait un an que j'attends un jeu. Et il arrive au mois d'octobre et j'ai envie de vous le streamer. Parce que c'est un jeu, c'est mon jeu de l'année qui va sortir. Et donc j'ai envie de vous le partager. Mais ça sera pour le mois d'octobre. Donc avant, il y aura FF2. Là, on termine FF2 en plus de Witch of the Night. Et ensuite, on passe à un autre visual novel, en attendant certainement le jeu Fate. Même si je pense que Fate, je pourrais pas vous le montrer, parce que Fate, il a tendance à pas vouloir montrer les... comment on appelle ça Même si en vrai... Ouais, il a tendance à pas vouloir montrer l'histoire... Les jeux Fate sur PS4, ils ont tendance à pas vouloir montrer l'histoire. Enfin bref. Je te laisse là, Pop. Je te remercie beaucoup de Fates pour foi. Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous plaira.
les gens qui regarderont ça sur YouTube ou pas d'ailleurs. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'en apprendre plus, un petit peu par un petit peu. Et voilà. Et donc, bon, on reste sur cette histoire qui prend une tournure qui peut prendre une tournure tragique. Et connaissant la matière de Fate à vouloir taper dans le lourd, ça peut taper dans le lourd très vite. Enfin, au niveau de la fin de l'histoire. Donc voilà. Je vous laisse et puis quand je pleurerai sur Witcher Unite, je me souviendrai de ce live où j'ai senti que ça commençait à se barrer en couille pour le héros. Des bisous. Bonne soirée. Bye.